cette ascension. Voilà, ça va être l'arrivée entre les trois hommes. Lequel va s'imposer? Alexandre Le Bras, voilà qui s'impose. Il est seul à quelques mètres maintenant du podium. Le coureur d'Henbon Cyclisme, voilà celui qui fut champion de France des sapeurs-pompiers, qui s'impose. Alexandre Le Bras pour la deuxième place. On attend maintenant les deux hommes, les deux autres coureurs qui l'accompagnaient. Voilà, il a fait pour la deuxième place. Oh, c'est un joli sprint avec Jean-Yves Moyou, avec Gérard Lemoine. Jean-Yves Moyou, Gérard Lemoine, donc, c'est dans l'ombre. Première, deuxième. Deuxième place. Oh, c'est un joli sprint avec Jean-Yves Moyou, avec Gérard Lemoine. Jean-Yves Moyou, Gérard Lemoine, donc, c'est dans l'ombre. Première, deuxième. Le voilà pour la quatrième place. Mais attention, ça revient très très fort avec Julien Prigent. Ça va être la quatrième et la cinquième place pour Julien Prigent. Attention maintenant pour la sixième. La sixième place. Voilà une jolie bagarre. Là également, ce sera pour le 46. Donc Clément Voisin, le voilà encore récompensé ensuite. Voilà, on avait aussi le 57. Voilà le peloton maintenant est là également à quelques mètres maintenant de la ligne d'arrivée avec un joli sprint là aussi. On se dégage maintenant dans les derniers mètres pour le coureur de lycée Briochine qui prend le meilleur. C'est-à-dire donc là, eh bien, Maxime Galeret, voilà qui prenait le meilleur sur le devant du peloton.